Yo les gens, c'est Buffy, on se dit aujourd'hui en compagnie de Dopido, on se retrouve pour une map horreur. Ça faisait longtemps et en plus elle est proposée par la team Jalf. Qui dit la team Jalf, on peut s'attendre forcément à une très bonne map. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est trop stylé. Attends. Ah non, t'es trop stylé en vrai avec... En fait, vu que t'es un perso sombre, ça fait méchant tapis dans l'ombre. Tu verras, je t'enverrai le skin. C'est trop stylé. Elle est où l'entrée en fait? Mais en fait, on n'a pas appuyé sur eux. Ah ouais. Je t'explique le jeu si tu veux. Mais... Ok. Vous venez d'avoir un accident de voiture. Trouvez un moyen de repartir au plus vite. Des choses étranges se passent ici. Ouvrir le coffre. Oh, il y a un pistolet. Ah non, même pas. Ah, j'ai un gun. Ah, ça, c'est pas... Lampe torche. Je récupère tout. Ah, tu vas récupérer. Du mais coup, par contre, le pistolet, non. C'est pas grave, t'inquiète, j'en ai un. Plus okay. Important. Ok, bah je pense qu'il faut aller de l'autre côté, du coup. T'avais pas été de l'autre côté? Bah non, t'as trouvé... Bah regarde, il y a la lumière verte, rose, je veux dire. Ah non, c'est mon ping. Bah oui, Oh là là. J'ai jamais joué à un escape. T'as jamais joué à Fortnite? Non, ça va être dans la forêt, ça va être dans la forêt. C'est utile, hein. Ah, j'ai une entrée. T'as une entrée? Moi j'ai rien, du coup. Trouver la formule. Ok, ça veut dire il faut trouver la formule et je pense que ça doit être un bouton, genre un truc comme ça. Attends, je cherche un peu voir s'il y a rien dans un arbre ou dans les buissons. Attends, j'ai trouvé un truc comme par hasard. Ah, prendre la formule. Ah, bah tiens. Elle était dans le creux de l'arbre. Ah ouais, en fait, fallait le voir avec la lumière. Ouais. Ah ouais, bien joué. Réciter la formule. Faire un sacrifice. Buffy. Faut que tu te sacrifies. Oh, en plus, ils m'ont vraiment sacrifié. Vas-y, meurs pour la science. Toi, mais en vrai, j'ai trouvé la formule, c'est vas-y, moi le... Vas-y. Adieu, monde cruel. Ok, c'est bon de mourir. Attends. Adieu, monde cruel. Et là, c'est pas ça. Venez, je suis libéré. T'es libéré? Ouais. Nice. Ah, je suis en dessous. Je suis enterré vivant. Attends, mais moi, du coup, je peux pas me sacrifier. Peut-être que je remonte des enfers. Attends, si moi je peux pas me sacrifier. Ah, répétez la formule, attends. Ouh. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça a dû m'ouvrir un passage à moi, non? Ouais, ça m'a ouvert un passage ici. Il nous faut donne ton arme. Ah, j'avais compris, donne ton âme. Tu vois, il va mourir lui. Mon grand okay, frère j'ai... est perdu sur le chemin. Nourrissez-le, il vous laissera passer. Tu sais que j'ai même pas vu le texte, il était en plein milieu, mais. T'es concentré sur la boîte de conserve. Ah bah tu vois, donne ton âme, je pense que tu vas le nourrir avec ton âme, mon gars. Mais non, c'est ton arme, il m'a donné une boîte de conserve, aucun rapport. Ah. Moi j'ai rien eu. Bah du coup, faut partir de là. Ouais, mais par où? Bah on suit le chemin, je pense. Ah, il est là. T'as trouvé quelqu'un? Ouais. Nice. C'est forcément lui. C'est quoi, c'est un monstre ou c'est... Yes, ça y est. C'était un monstre qui était en hauteur. Ah, nice. Du coup, on va voir un peu. Là, il y a une gargouille. Caressez la gargouille. On ne se perd jamais de vue, ok. C'est la gargouille qui dit ça, parce que tu l'as caressée, du coup, elle est contente. Ah, il y en a une autre. Nous ne sommes que 5. Là, t'en as fait... Ok, t'en as fait 2. On ne se perd jamais de vue. Du coup, ça doit... Du coup, je dois le faire dans l'ordre, ça doit être ça. On ne se perd jamais de vue. Elle regarde. Oh oui, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien, j'ai avancé moi. Ça doit être. Attends, on ne se perd jamais de vue, du coup elle doit être là-bas l'autre. Continue avant de faire des hypothèses. Mais si, c'est ça, on ne se perd jamais de vue. J'ai remarqué, il y en a 5. Moi je pense qu'il y a 5 gargouilles. C'est... Allez hop. Laisse-moi faire. Ok, elle est là, mais je peux pas la caresser. Ouais, bah c'est ça, il y a 5 gargouilles, il faut les caresser les 5. Oui, mais il y a un ordre. Bah ça c'est pas grave, on va le trouver l'ordre. Si tu peux pas les caresser, ce que t'as pas trouvé avant, c'est bon. Attends. Mais... Bah qu'est-ce que tu fais toi? Ah, t'es en train de te casser. Moi je fais rien moi. On se perd jamais de vue. On imagine celle-là t'as essayé, ça marche. Voilà, c'est elle. Tu l'as caressé? Laisse-moi faire. Nous sommes endormis. C'est elle. Du coup je dois aller encore tout droit. Parce qu'on ne se perd jamais de vue. Celle-là je peux pas encore la caresser. Jamais de vue. Pourquoi? Non, la dernière c'est nous sommes endormis. Oui, mais elle te dit on ne se perd jamais de caresser vue. Caresser la gargouille. Nous ne souhaitons qu'une chose.
Ok, du coup c'est l'autre de l'autre côté. Ouais, je pense. En Qu'est-ce qu'il fait, souhaite? Caresser. Nous réveiller. Ok. là on a fait les 5, non? Trois, ouais. Pour vous remercier, les gargouilles vous ouvrent les portes des ruines. La porte des ruines. Attends, il y a un chemin de feu là. Ah ouais, carrément, on l'a même pas vu. Non, on voit vraiment rien, hein. C'est un peu. Ok, la porte Ça, elle est c'est là, une là. porte. Ok. Prendre la clé du portail du manoir. Caresser la gargouille. Qui a toujours pas compris. Ok, ouvrir le portail. Let's go. Ok, nice. Verrouiller. Ah. On a une porte qui est verrouillée ici. Aussi, il faut trouver une clé. On peut pas négocier ça avec une gargouille. Attends, il y a une meuf là. Non, ah, une statue, non, y'a rien. C'est grand le. Ah! Lire l'inscription. La reine du manoir avait un regard si charmeur qu'elle pouvait briser n'importe quel cœur de pierre. Ok, c'est la statue, c'est la statue. Ouais, en plus elle a un marteau. Pourquoi t'as tapé dessus ou. Non, mais c'est 100% c'est elle. Je pense aussi, elle a un marteau et il parle de. D'une nana donc. Porte ouverte? Bah oui. Ah, on a ouvert la porte? Ouais. On allait se compliquer la vie alors que pas du tout. Ok. Une porte. Why? Il y a une porte. Moi ça a explosé. Et t'as fait quoi? T'as voulu ouvrir une porte? J'ai ouvert une porte. Je suis dans les cuisines. Je suis dans les cuisines. Moi je monte à l'étage. Vas-y. Attends, il y a un texte ou. Non. Oh, what the, what? What the fuck? Y'a un mec qui a apparu la fenêtre comme ça et ça disparaît. Mais. Bye. On dirait que c'est des pièges, enfin des salles piégées. Ah, mon père pourrait passer des heures à regarder la cheminée. Ok, la cheminée, on en a vu une. Ici, il y a le tableau. Mais j'ai pas l'impression. Ah, si, si. Ok. Tu as trouvé un passage? Ouais, dans le. Ok. Invoquer un esprit. Attends, il est où ton tableau? Oui. Où suis-je? Il s'est attends, passé attends, un truc. C'était où ton tableau? T'es parti vite. Dans la cheminée? Ok. Ah, hey, bye bye! Bye bye, t'es parti où toi? Ah, moi je suis dans un autre monde spirituel là. Ah, j'ai pris ton truc. Cette fois la porte est ouverte ici. Ça m'a emmené nulle part moi. J'ai un checkpoint. T'as téléporté, c'est ça? Ouais. Oui. Et je te vois là, t'es proche de moi non? Ouais, mais en fait, moi je rentre dans la cheminée comme toi, mais après je. Ça m'emmène nulle part. Je suis dans une pièce et. Oui, il faut que tu appuies sur la citrouille. Ah, je peux pas appuyer dessus. Je pense que c'est un truc que je peux pas faire en même temps que toi. Ok. Bah, essaye de rentrer. Il y avait une salle qui était fermée en bas. Peut-être qu'elle est ouverte maintenant. Je sais pas c'est laquelle. Mais t'es là, hein. T'es là. Qu'est-ce que tu baves? Attends, mais wesh! Mais c'est moi alors, qui suis là. C'est toi en qui fait. Est revenu. Mais comment j'ai fait ça? T'as déjà téléporté. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est ce que je t'ai dit, moi je. Attends, what? Y'a tellement de trucs que. Enfin, je. Y'a trop d'énigmes là, moi je suis perdu. Attends, mais je peux sortir par dehors là? Est-ce qu'il ça, je l'avais fait. Attends, 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 y'a un monstre. Parler au démon. Ah, nice. Je suis ici depuis 666 années. Ramenez-moi un gnoukoum. Ces petites créatures sont délicieuses. C'est quoi un gnoukoum? Est-ce que tu veux T'es pas parti des. Où même tu veux pas des flageolets, mon pote? C'est pas du poulet, c'est plus simple à trouver. Putain. Bah, dans la cuisine, sans doute. Et dans la cuisine, on va chercher des gnoukoum. Mais t'es parti super loin! Je sais pas, je suis dehors. Mais t'es parti où en fait? De quel côté? Gauche ou droite? Attends, ça c'est quoi? Attraper un gnoukoum! Ah, c'est ça! Mais t'es où? T'es où? Dehors là. Oui, mais où? Bah, je suis sorti par là, là, genre par ici là. La gauche ou la droite du château? Non, non, faut que tu rentres à l'intérieur, t'as une sortie. Ah, là où t'avais fait péter la porte? Ouais, offrir le gnoukoum. Grâce à vous, j'ai récupéré mon pouvoir, je peux. Ah, y'a les zombies! Je peux quoi? Je peux maintenant ramener les morts à la vie. Ah oui. Bravo ma fille. Ok, faut peut-être tous les tuer. Je pense pas hein. Ça fait beaucoup hein. Heureusement ils sont nuls. Ouais ouais ça va. Je vais trouver du feu et de l'essence. Il faut trouver du feu et de l'essence. Ah l'essence, je sais où elle est, l'ai vu. En fait on va faire cramer le démon. Ouais, attends, l'essence elle est.
Elle est quelque part par là. Moi j'ai le feu. J'ai l'essence. Bah oh, attends. C'est bon, c'est bon. Il faut d'abord mettre l'essence, je crois, avant le feu. Ça peut paraître logique. Allume. Ici. Ah, dans ce démon là, verse l'essence. Vas-y, vas-y, vas-y. Crame-lui la gueule. J'ai cherché le feu. Mais c'est bon normalement, non? Bah non, il faut le feu. Prends la torche. Attends. Attends, j'ai trop d'invent. J'ai pris la. Bon, vas-y, tu peux le faire cramer là. Non, on a la torche. Nice. Démon. Ah! Je vous retrouverai. Ah! Et il meurt. Vas-y, go, 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 on court. Je crois qu'on peut s'enfuir. C'est bon, on a tué le démon. Il n'y a plus de risque. Il y a une porte ici. Allez, verrouiller. Ok, là c'est fermé. Attends, les zombies nous pourchassent toujours. Ah, ils sont pas morts? Non, il y en a un qui nous pourchasse. Bah, tue-le. Attention, chute de pierre, il y a écrit. Chute de pierre. Hein. Pas de risque ici. Ouais. Attends, on va appeler les secours. Police. Appelez les gardes. Nous arrivons, essayez de sortir du tunnel. Mais faites attention à ce que le démon ne vous attrape pas. Ok, tac. Hippa hippa! Hippa hippa, j'avoue. Tu as passé toi? Oh! Ok. Oh, ça s'est fait attraper? Je sais pas. Attends, on a fait demi-tour? Ouais, j'y crois, on s'est fait attraper. Ah, portel. Ouais, en fait, c'est très envie d'avoir un petit passage. Et il faut pas toucher les démons en fait, je pense. Là, j'ai l'impression que ici, là, on passe. Ouais, moi j'aurais dit plus en haut. Ah, on peut pas sauter. On est obligé de passer sans doute comme ça. Attends. Yes, aïe. Nice. Ok. Ça doit être par là. Bye bye. Ok, attends. Ah, j'ai touché. Ok. Maintenant, il faut que je me décale. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, j'ai touché. Que la lumière soit. Lumière fut. Let's go. Nice. Attends-moi, je vais arriver aussi. Ah. Mais non, mais c'est abusé. Adieu, pauvre Dopito. C'est trop chaud. Croc, c'est mon skin, en fait, il est trop gros, okay, c'est pour ça. Ouais, vas-y, je t'attends à la sortie. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pas me pinguer exactement, je dois marcher. Ok, enfin, tu peux vraiment te marcher arrière. Ouais, faut que t'ailles ici, là. Shit. Non, ça fait quand même le TP. Ah, mais t'es... Ouais, ça se tentait. Le mec il était en mode moonwalk. Putain. Eh, mais c'est ça en plus, il faut aller vite. Bah, adieu, monde cruel, Dopito. Non, attends-moi. On est sur la fin là, on est dans le tunnel des ténèbres. Mon mec, jamais de la vie, un mec qui survit, il va appeler la police, il va appeler les renforts, hein. Il va pas attendre que son pote arrive. Ça veut dire que tu vas lâcher ton pote? Bah, ouais, clairement. Bah bravo l'entraide. Mec, je te ramène la police, non? Putain. Et non, ça veut dire que je me fais bouffer par les démons. Ça veut dire que toi, t'as la police à côté de toi et moi, je me fais bouffer par les démons. Oui, mais je vais ramener des renforts. Il y a toujours un mec qui part chercher les renforts. Ouais, bah ils arrivent toujours trop tard, les renforts. Je te dis. Non, là je pense que tu vas toucher. Je vais où? Faut que tu te décales un petit peu sur ta droite. Là, je pense que ça passe, là. Faut que t'avances tout droit, mais doucement. Et après, faudra que tu te décales sur ta gauche. J'ai peur, Buffy. Okay, t'es proche. Encore un peu parce que là tu touches. Encore un petit peu. Et là, tout droit normalement. Ah, il y a son bras, non? Là, normalement, tout droit. Cours. Mais non, il y a son bras, non? Tout droit, tu passes. Nice. Vas-y. Putain, c'est trop chaud. Oh, mais attends, il y en a encore un là. Bah là, si tu le touches là. Ouais, on sait jamais. Allez, courons. Vite. Oh my god. Let's go. Oh, c'est la fin en plus. C'est bon, on a les secours. Yes. Eh, tu vois, tu voulais. Il a voulu m'abandonner. Let's go. Hey gros, je t'ai aidé, t'es où? Bravo, vous avez survécu. Yes. Bon, j'espère que cette vidéo en compagnie de Dopido vous aura plu. C'était Buffy. Même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye.